Quelle nouvelle en Côte d'Ivoire! Les jaloux disent quoi encore? Mes anges, bonjour ou bonsoir depuis votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Et comme vous le savez ici, on parle des actualités, des buzz, les faits réels qui se passent dans la société. Et oui, ici c'est votre reportrice, reporter internationale, la digne petite fille même de Oprah Winfrey, pour ceux d'entre vous qui tombent sur ma chaîne. Voilà, parce que maintenant je vois qu'on commence, notre communauté commence à s'agrandir. Appelez-moi tout simplement C-Beauty. Oui, 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 oui. Mes anges, vous venez de regarder la vidéo de Didi B. Hier, Didi B et Tamsi ont interprété le coup du marteau sur la scène de l'Olympia à Paris. Je peux vous dire que le commentaire a été chaud là-bas. Les gens, ils ont pas mon goût là-bas. En tout cas, on va revenir. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui regardaient ma chaîne avant, et surtout, pardon, pour les nouveaux, on avait une émission qui s'appelait Touche pas à mon commentaire. Là, maintenant, cette émission va s'appeler tout simplement les best-of, les atouts et les best-of du net. Si vous voulez que je vous fasse les Touche pas à mon commentaire à part, vous allez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Et les que les actus et les best-of aussi à part, vous allez me le dire. Mais j'ai dessus deux, voilà. Après l'interprétation de Didi B et Tamsi, on voit Didi B qui a chanté, voilà, sa chanson, qui a interprété aussi, l'artiste a interprété tout simplement le tube Tala Tala sur la scène de l'Olympia à Paris. Et puis, les commentaires là-bas. C'est ça maintenant, arrête de regarder les commentaires. Non, ça n'a pas beaucoup là-bas. Donc, je vous laisse la vidéo de commentaire là, et après on va revenir à les commentaires. Oh, à tout donc, à l'heure. Savoir, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, mes anges, vous voulez que je vous fasse que des émissions de Touche pas à mon commentaire, à savoir les vidéos, ce qui se passe dans les commentaires, je vous le dis, pour qu'on rigole ici ensemble, ou soit vous voulez que je vous le mélange avec le best-of, voilà, les best-of là, c'est les attitudes du net, tout ce qui se passe là, les petits trucs rigolos là, on met ça ensemble, on va s'enjailler là-bas, voilà, on va commencer par qui, Sandy qui nous dit ici, Jackie chante sur nous. Yeah, maman, on peut faire ça. Vanessa Moussou qui nous dit ici, qui est ton styliste? Tia a un point d'interrogation sur nous. Diamant Noir à Poutou qui nous dit ici, appelez Sidiki pour venir voir Dou Kita qui nous dit ici, une salle de 1900 avec la qui est séparée et pleure sur nous. Pourquoi tu fais les choses comme ça? T'es hier même, on y va. Presley, Bambara qui nous dit, quelqu'un a dit maître Chifou. En tout cas, je n'ai pas compris ce que ça veut dire, ma chérie. Je n'ai pas compris. Prochainement, je vais te visiter là-bas pour voir qui es-tu. Réussite, grâce qui nous dit ici, on dirait les petites filles chinoises qui font karaté. Ah, ma chérie, pourquoi tu dis les choses comme ça? En tout cas, moi, je vais te visiter. Je vais te visiter, t'es hier même. Regardez-moi ça, les comptes privés comme ça, c'est vous qui vous permettez d'écrire les choses comme ça. En tout cas, j'ai dit que je vais visiter les gens beaucoup, beaucoup. Avant, je vous visitais même, vous connaissez mon affaire là. Tu qui me dit ici, il doit vraiment engager un styliste. C'est trop. Ah, y'a avec pleurs, smiley de pleurs sur nous. Petit caillou qui nous dit ici, il a déjà, oh, c'est son travail qu'elle a. Yeah, maman, tu conduis, que tu connais affaire au petit caillou. Lago Choc qui nous dit ici, il est au Japon ou bien. En tout cas, ce qui est sur la focale, t'as qu'à aller poser la question là-bas, ma chérie. On y va. Le Bug du Nord qui nous dit ici, c'est le styliste d'un Shogun. En tout cas, vous écrivez en français, mais on y va. Géré qui nous dit ici, voilà, Bouba pouvait pas aimer ça. Ah, en tout cas, on peut pas lire les commentaires. Les anges, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum. Je suis venu pour répondre à certains commentaires qui disent, et voilà l'avantage de rentrer aux écoles. Faut pas prendre les Français et les mettre les Français à la place de nourriture. Les Français, c'est pas les nourritures. Et moi, je ne suis pas française. Je ne suis pas français, c'est pas obligatoirement. Je me parle bien français, c'est pas mon langue maternalité. Donc je le parle comme je peux. L'important c'est que qui sont les comprenants, qui sont les comprenants pas, c'est pas mon habitude. Je n'ai pas allaité les Français et je n'ai pas. C'est pas les Français qui m'ont adopté. Je suis adopté par ma propre langue. Si les Français parlent mal dans mon langue, personne ne rira. Personne ne rira. C'est pourquoi? C'est parce que, et voilà, parce qu'il est Français. Il doit pas parler mon langue comme il faut. Et moi, je suis mon langue, je dois pas parler français comme il faut.
C'est voilà, c'est simple que ça. Et vous êtes là et il faut partir de l'école. Il faut voir l'avantage de partir de l'école. Voilà l'avantage de parler mon dans mon langue. Je ne fais pas erreur. Je le parle comme je suis. Et puis vous qui dites les avantages de l'école, c'est ça. Mes anges, vous venez de regarder la vidéo de ce jeune homme. Voilà, vous avez été nombreux en commentaire à me demandant son nom. Voilà, il y a Grâce même qui m'a envoyé si je pouvais avoir son compte pour lui envoyer quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, vous avez été nombreux à demander, à lui envoyer quelque chose. Je vais tout simplement vous dire son nom ici. Je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos. Captez-le parce que je n'ai pas le droit d'écrire tout le temps les noms vu que il est issu d'un autre réseau social pour ne pas me faire bannir mon compte ici sur YouTube. Donc, son nom s'appelle tout simplement Koda Cotteresse. Koda Cotteresse sur un autre réseau social là-bas. Je pense que vous avez compris. Allez le rechercher là-bas. Allez le soutenir pour ceux d'entre vous qui veulent le soutenir parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages si on veut savoir c'est qui c'est. C'est le but aussi de ma chaîne de faire montrer voilà, les jeunes comme ça. Aussi pour les faire évoluer tout simplement. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette émission. On va tout simplement aller rigoler sans jaillir. C'est le début de week-end. Bon week-end, bon début de week-end à tout le monde. On se dit à la prochaine. Hein. Merci à toutes ces belles personnes qui s'abonnent à ma page. Merci à vous. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour ne pas rater nos prochaines actus du net, pour pouvoir rigoler, en partager et dites-moi toujours ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, c'est Parlons sans fil de C-Beauty. Ah, ciao, ciao, à bisous.